Bon week-end, mesdames, messieurs. Bienvenue à un autre On jase avec Pélo. 199e de la série sur 6 ans déjà. La semaine prochaine, la 200e. Ben, Mishka, on pourrait dire ça comme ça. Émule de Martina Navratilova. Émule de Peter Anton et Marianne Stachny. Anciennement la Tchécoslovaquie. Oui. Maintenant la Slovaquie. Mikaela Vrastiak, bonjour. Bonjour, bonjour. Hey, Mikaela. On a déjà vu ça sur le plateau grâce aux radieuses. Et oui. C'est excellent. Content de te voir aujourd'hui. Vous nous parlez des tisanes fruitées. Oui. Puis il y en a beaucoup. Mais en fait, il y a 5 saveurs. Quand j'ai commencé il y a 2 ans, j'en avais seulement 3. J'ai décidé comme ça de faire un cadeau fait maison. J'ai empilé 3 saveurs. J'ai donné ça en cadeau en mettant mon surnom sur mes pots. C'est né comment, cette idée-là? Et c'est comme ça que c'est parti. En fait, moi, j'ai grandi avec des tisanes. Okay. Ma mère nous en faisait depuis qu'on était tout petits. Donc, c'est quelque chose que j'avais l'habitude, moi, de boire étant enfant. Puis, en l'offrant en cadeau, j'ai vu à quel point ça n'existait pas ici. C'est vrai. Personne ne connaissait et l'engouement s'est développé très rapidement et je me suis mis à avoir de la demande. Donc, suite à ça, bien, je me suis lancée en affaires. Mon surnom est resté sur mes pots. Mishka, c'est moi. Puis, j'ai sorti 2 autres saveurs depuis aussi. Et maintenant, en plus, tu es sur Facebook. On peut te suivre. Il y a plein de recettes également. On a ça sur le petit carton, en tisane, en cocktail, en limonade et pourquoi pas en plusieurs autres possibilités. Et je vois même que tu parles de crème glacée. De oui, crêpes, de gruau et un gâteau. Ben oui, ben un bon gâteau fromage avec l'espace boisé comme coulis là-dessus, là, je vous le dis, c'est vraiment fabuleux. C'est sûr qu'il y a des beaux coulis sur le marché. C'est pas là-dessus que je me démarque, mais c'est tellement bon qu'on le fait quand même. En tisane, c'est là le wow. Parce je l'ai goûté, a... fruité, moi, avec les petits morceaux de pomme. Oui, c'était la douceur rosée, là. Il était tout petit. Douceur rosée, fraise, pomme, cannelle, clou de girofle, là. On met ça dans l'eau chaude, 2 cuillères à thé. Notre eau goûte le ciel, hein? C'était ça, hein? Oui, puis en plus, ben, sur un lac, c'est mieux que boire un maudit coke. Et oui. En plus... On mange les fruits après, oui, la petite et salade. Ça dort bien. Oui. C'est relax. Oui. C'est vrai, puis ça goûte le fruit. Ça goûte pas le jus. Non. C'est complet, les Mais fruits sont en entier. Ce que je savais pas, c'est qu'en plus, tu peux mettre ça sur de la crème glacée, la meilleure au monde, Quaticook. Oui. Ça doit être bon. Local, c'est toujours ça meilleur. Cochon, hein? Oui. Ah, mais c'est le fun, puis tu l'as en plusieurs possibilités. Oui, bien, quelqu'un qui est curieux un petit peu, il a envie de découvrir un peu, c'est mon mini découverte. Donc, mes 3 premières saveurs. Les 3 premières sont du là. Début. Oui. Par la suite, j'ai mon gros paquet découverte ici, où ce qu'il y a mes 2 saveurs additionnelles qui viennent se joindre à ça, ce qui est vraiment Souvenir génial. Souvenir d'automne et l'autre aussi. Parfum d'érable. Ah, bon Dieu, ça doit être quelque chose à C'est génial, avec le sirop d'érable, l'érablière nouvelle génération, qui est local aussi, sur vraiment... C'est bon. Ah, c'est bon. Puis en dessous, bien, les mêmes recettes qui reviennent. Donc, quand on l'offre comme ça, bien, c'est génial parce que les gens, ils ont plein d'idées de trucs, comment l'utiliser. Et on a nos nouveaux formats. En fait, c'est un test de marché. C'est tout nouveau. Un petit peu plus gros que les autres, ouais. Seulement au centre-ville, au comptoir gourmand du Centro, présentement, qu'on puisse les procurer. Si la réponse est bonne, ils vont en avoir partout, ça aussi. Parce qu'un pot fait à peu près 8 à 10 portions, mais il y en a qui sont accros, puis ils demandent, ils réclament les grosses. Je pense qu'on l'est déjà. Espace boisé, c'est fraise, bleuet, canneberge. Méchant mélange, hein? Oui. Puis ce qui est vraiment plaisant, on boit notre tisane, puis après, on croque le bleuet, ça goûte le bleuet. On attrape une canneberge, ça goûte la canneberge. C'est vrai, moi, dans mon cas, là. C'est vraiment, chaque fruit a sa saveur. C'est pas un amalgame, c'est pas une saveur, c'est vraiment, on va chercher tous les fruits qu'il y a dans notre tasse. Là, ça fait 2 ans, là? Ça fait 2 ans que je fais ça. À quel endroit, à Sherbrooke? En fait, moi, j'ai ma cuisine Mishka, dans laquelle je produis. OK. Et j'ai 30 points de vente dans 17 villes du Québec. Hey, c'est bon, ça? Oui, même à Québec, l'île de la Madeleine, Noka, Saint-Placide, en tout cas, plein de petits coins. Si vous voulez savoir c'est où, sur ma page Facebook, j'ai 2 albums photos vraiment intéressants. Il y en a un, c'est mes points de vente, et l'autre, c'est des recettes. Comme aujourd'hui, je vous ai préparé ma slush qui est en train de fondre un petit peu. Mais c'est santé. Bon, mais c'est ma slush au litchi avec la chaleur d'été ici. Très rafraîchissant. Hey, c'est bon, ça. C'est bon, hein? Mm. Ouais. On fait des envieux sur le plateau, là. Ah! Mais pour l'été, c'est magique, ça. Pour l'été, c'est magique. Sur au bord terrasse, de la piscine, ben on a oui, envie piscine. De rajouter un petit peu d'alcool. Là, je l'ai fait avec du jus de litchi, mais on aurait pu le faire avec l'alcool de litchi. Donc, ça aurait un petit wow de plus. Donc, tu commences avec ça. Après ça, tu arrives au dessert, tu vois, avec les autres, avec la crème glacée, les gâteaux. Oui. Donc, finalement, tu peux l'employer à plusieurs choses. Et la petite personne qui a envie de boire chaud, bon, il m'en tisane aussi. En soirée, tout le monde y trouve son coin. Un petit feu de foyer, là, quand il fait un peu plus frais au printemps ou à l'automne. Exact.
pour l'année. On peut savoir des endroits ici, là, que tu parles dans les points de dépôt, qu'on peut s'en procurer, qui sont connus comme à Magog ou à Sherbrooke, par exemple. À Sherbrooke, l'épicerie fine Le Coin d'Italie. Oui, qui est très connue, d'ailleurs. Italienne, qui est très connue. Sinon, sur la Wellington, à côté du Théâtre Granada, il y a le comptoir Gourmand du Centro. Ici, à Magog, j'ai un petit café qui s'appelle l'Atelier C sur la Principale. Oui, qu'on connaît bien. Qu'on connaît bien aussi. Écoute, les noms me sortent un peu, là, mais il y en a vraiment... Dans l'album photo, sont tous listés avec les adresses, puis il y a des petits commentaires sur l'endroit aussi. Et si on veut en savoir plus, on va sur ton Facebook. On peut poser des questions également. Bien sûr, je suis très active sur Facebook. Je viens de rentrer sur Instagram. Vous allez voir, le mois d'avril, j'ai une publication par jour, un beau défi que je me suis lancé. Donc, vous allez en apprendre plus sur moi. On peut savoir à peu près, là, ça peut varier à combien les prix? Les prix, en fait, c'est les points de vente. Un pot comme ça va donner 8 à 10 portions, puis ça tourne autour de 12 $ 11,75, 11,95 à peu près par pot. Ceux-ci, c'est en bas de 20 $ des petits cadeaux d'hôtesse, là, si je me souviens bien, 17,50, 18,50 à peu près. Ceux-là sont un petit peu plus dispendieux, là, autour de 25, si je ne me trompe pas. Ceux-là, je vais être honnête avec vous, vu que c'est un test de marché, c'est le comptoir gourmand qui a fixé le prix, j'en ai aucune idée. Donc, je vais aller voir. Tu ne veux pas le savoir, tu vas voir si ça fonctionne. Ben oui, c'est déjà. Mais je sais qu'il y a une économie de coûts à faire, donc c'est intéressant pour les clients. Ça en donne pour plus, mais il y en a qui sont plus gourmands, il y en a moins. Effectivement. Mais il ne faut pas le manger à la cuillère, hein? Non, ça va vite. Ça va. Oui, il y a ça, par exemple. Mais avec une tisane, ça en prend moins et ça peut durer un peu plus longtemps. Oui, mais en fait, deux cuillères à thé dans l'eau chaude, mais on peut mettre deux cuillères à thé dans du Perrier, du vin rouge, on va avoir je une sangria. Ça, du Perrier, moi. Ben oui. Du vin rouge. Mou de pomme, champagne, oui. Peu importe le liquide, en fait. On va aller voir, on va avoir ce plaisir d'avoir un breuvage fruité. Il y en a qui l'ont essayé, souvenir d'automne, dans la bière. Ah oui? Oui. Puis on m'a dit que c'était très bon. Moi, j'aime pas la bière, donc je pourrais pas bière. Ah bon. Hey, merci de la belle visite. Merci beaucoup. Puis merci de nous avoir fait découvrir tout ça. Ça fait plaisir. Petite pause et au retour, Joanie s'amène sans ses crocs. De retour sur le plateau, elle n'est pas venue avec sa moto aujourd'hui parce qu'on enregistre le mercredi et il pleuvait. Mais c'est une Roadrunner, pas à peu près. Joanie Dion, bonjour. Allô? Hey, tu nous as emmené Cara, tu as tellement parlé. On se demandait c'était qui, Cara? Elle est là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très, très bien. Qu'est-ce qu'elle fait, Cara, avec toi? Cara, en fait, chez Division Canine, fait la consultation à domicile dans la région de Magog et Eastman. Donc, c'est elle qui va aller desservir là, tout votre secteur, en fait, pour de la consultation à domicile. Donc, tu vas visiter les gens, tu reçois les appels, tu vas leur diagnostiquer plein de trucs, là. Exactement. La consultation à domicile, on fait justement des cours d'environ 2 heures à domicile avec les gens directement dans le confort de leur foyer. Hey, c'est pas pire, ça. C'est nouveau. C'est une bonne idée, ça. La consultation à domicile, ça fait 7 ans qu'on en fait à Sherbrooke, sauf que la région de Magog, on l'a desservée également. Mais Cara fait partie de l'équipe maintenant depuis quasiment 4 mois maintenant. Et puis maintenant, c'est plus facile là, pour Cara, vu qu'elle est exactement du secteur et c'est une fille du coin. Donc, ça permet aussi d'encourager les gens de la région. Et si on a besoin d'en savoir plus, on appelle chez toi, puis toi, tu peux référer à Cara. Ou Cara, ben, est-ce qu'elle a un numéro de téléphone? Oui, vous pouvez aussi me rejoindre au 819-434-1761 pour scheduler des consultations. Donc, 434-1761, si mémoire n'a pas fait défaut, dans le 819. Donc, Yves, tu prends bonne note pour ton petit chien, là, ton petit chat, Cara va à la maison avec toi pendant que tu fais tes potins, ben, on va pas s'occuper de ton petit minou ou ton petit pitou. Non. Hey, parlant, oui? De toute façon, toutes les informations se rendent chez Cara directement si vous avez besoin. Si vous appelez chez Division Canine directement, Facebook, ça se rend directement. Facebook, hein? Si on n'avait pas ça, qu'est-ce qui arriverait? On ferait du téléphone. On parle du syndrome de l'abandon et de dépression chez les chiens laissés à eux-mêmes parce que là, il y a ce qui s'amène bientôt, les déménagements, puis il y en a qui ne comprennent pas, puis ils laissent. Et ça, c'est malheureux pour les animaux. Le syndrome, en fait, de l'abandon, on va le voir beaucoup aussi, des fois, des chiens qui vont en pension, qui font du service de garde également ou que les gens partent en vacances. On est au mois de mars, hein, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, dont moi également, qui est parti en vacances. Et souvent, pendant la semaine où est-ce que vous quittez, si le chien n'a pas été habitué, on peut avoir ce même syndrome-là, en fait, que le chien peut subir, c'est-à-dire un chien qui part de la maison, retour au chenil et là, se retrouver vraiment avec une dépression qui est quand même assez majeure.
Évidemment, tous les chiens qui font de l'abandon, les gens qui quittent les maisons sans apporter leurs animaux, ce qui est très malheureux d'ailleurs, ou les gens qui prennent vraiment le temps de juste prendre leurs chiens et aller les mettre à la SPA ou dans des refuges, ça crée vraiment un gros syndrome d'abandon qui peut, en fait, le chien peut en mourir, un peu comme les gens. Et la deuxième chose aussi, c'est que les chiens, des fois, ils peuvent ne jamais s'en sortir. Ils peuvent avoir beaucoup de difficultés à s'en remettre. Donc, on peut avoir des chiens qui sont plus amorphes, des chiens qui sont incapables de remonter la pente là, du tout, sont très, très difficiles à nourrir, très difficiles à pouvoir garder en santé également. Donc, même si le refuge ou la personne qui en prend soin peut faire tous les besoins nécessaires, le chien peut se retrouver avec une grosse dépression et là, amaigrissement, se laisser mourir. On fait quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour empêcher ça? Oui, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. La première chose, c'est d'habituer votre chien à aller dans des pensions, donc les habituer une ou deux journées, plutôt que de juste partir en vacances. Et là, on est à la presse, on met le chien là-bas, on laisse ça entre les mains de des gens qui sont évidemment compétents, mais c'est juste que le chien peut subir quand même le syndrome et juste de l'habituer tranquillement. Évidemment, si vous avez abandonné votre animal pour quelque raison que ce soit, essayez de trouver la bonne famille qui pourrait peut-être justement faire une transition peut-être plus transitoire plutôt que juste de prendre le chien, de le changer de famille complètement. C'est des animaux qui sont très proches hein, des humains. C'est pour ça qu'on les aime aussi d'ailleurs autant. Mais le fait de les abandonner, ça crée vraiment des grosses problématiques. Ouais. Je vois. Dans la région de Magog, est-ce qu'il y a plus de chiens ou de chats que tu traites en ce moment? Bien, moi, personnellement, c'est plus les chiens, justement, qu'on va traiter dans la région de Magog. On a quand même une bonne demande, surtout dans la période de l'été. Oui, parce que cette période-ci de l'année, c'est plus tranquille? Ah, pas plus qu'il faut, mais tranquille dans notre métier, c'est pas très tranquille, on va se dire. Non, parce qu'il y en a des chiens, il y en a des animaux, oui, puis ça, c'est très, très vrai. Un petit conseil à ajouter là, avant de terminer? Oui, bien en fait, si jamais vous avez des fois au mois de juillet, tu sais, les gens vont déménager, ils n'ont pas accès à avoir un appartement avec des chiens. Tu sais, on est conscient, nous, dans l'entraînement, en fait, que des fois la situation est vraiment problématique. Les gens se séparent, se retrouvent à aller chercher un appartement avec les besoins nécessaires. Évidemment, on a tous des. Les moyens, des fois, d'aller en appartement, mais pas de payer, parce que des fois, il y en a qui chargent un peu plus cher pour avoir l'accès avec des chiens. Et là, on n'a pas les moyens de pouvoir s'y rendre. Donc, à ce moment-là, essayez de prendre le temps, essayez d'envisager d'avance. Dites-vous une chose, si vous prenez la chance de, justement, de pouvoir prendre le temps d'adapter votre chien à une nouvelle situation, votre chien va se retrouver beaucoup plus heureux. Aussi, l'autre chose aussi, c'est de ne pas l'envoyer dans des situations comme la SPA où est-ce qu'il se retrouve en chenille avec beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup, beaucoup de stress. Et là, à ce moment-là, on se retrouve à mal évaluer le chien également parce qu'il est en situation problématique. Fait qu'essayez justement de pouvoir atténuer ça et de prendre ses responsabilités et non pas à la légère, hein, c'est-à-dire juste de pouvoir prendre le temps de bien placer. Si vous faites de la pension ou que ce soit aussi de la garderie, des choses comme ça, de les habituer là, justement tranquillement plutôt que de partir une semaine en vacances. Le pire, c'est 10 jours, hein? Tout ce qui est au-dessus de 10 jours, habituellement, c'est entre la 8e et la 10e journée que le chien va tomber en dépression. Habituellement, il y a des chiens que c'est dès le départ. Les petits chiens, chihuahua, les chiens qui sont très, très proches de leur maître, qui ont accès à tout ce qui est les privilèges à la maison, les choses comme ça. Peut-être de commencer, justement, là, tu sais, à suivre un processus. Sinon, bien, on peut vous aider. Sur le site Internet, on en sait énormément avec Division Canine. Oui, on en parle beaucoup de toute façon, des syndromes comme ça. Même les gens qui viennent en pension à la maison, c'est le genre de sujet qu'on va travailler aussi. Dès que le chien revient aussi de la pension, faire attention de ne pas trop cajoler. On en a déjà parlé, je pense, ici, là, justement, au niveau de la pension, faire attention à ça. Parce que le syndrome de l'abandon, là, c'est très facile à créer. Là. Ouais. Bon, bien, merci. Caron, on rappelle le numéro pour les gens de Magog, justement, pour les cours et tout ça. Justement, on peut me contacter soit sur le site de Division Canine, sinon le 819-434-1761. Bien, merci beaucoup, mesdames. Merci. Petite pause au retour, il est fébrile. Il s'envole dans quelques minutes pour Trois-Rivières avant, et je l'espère pour lui, d'aller à Sudbury, dans l'Ontario. Yves Grandmaison. Retour sur le plateau. Oui, il s'envole bientôt pour Trois-Rivières. Vous savez que le mercredi est enregistré l'émission. Et les cantonniers, on avait dit nous en 6. Beauguay-Lancourt avait dit l'adversaire en 6, mais il va se tromper. Nous, on va avoir raison, puis peut-être pas. Ça va peut-être aller en 4. Comment il va, Yves Grandmaison? Ça va très bien. Ça va aller en 4, j'imagine. Ça va terminer. Tu sais que la quatrième est toujours la plus dure. Oui, mais c'est pas grave, ça. On a une meilleure équipe. Vraiment, on a une meilleure équipe. L'équipe de Châteauguay était meilleure que celle de Trois-Rivières. Quand tu les vois sur la glace, à mon avis, Châteauguay était supérieur à Trois-Rivières. Pourquoi les cantonniers sont si bons cette année?
Bien, d'abord, ils ont vraiment du cœur. Ils veulent la rondelle les premiers. On a Patrick Gay, qui est un excellent passeur. Je me dis, ça vaut quasiment le coup d'aller voir les cantonniers jouer quand ils jouent. Son habilité à tourner sur lui-même, en tout cas, les passes sont toujours sur la palette. Il n'y a pas rien que lui. On n'a pas rien qu'un gars qui fait l'équipe. Là. C'est toute une équipe qui joue ensemble. Villeneuve, en tout cas. Puis il y a le gars derrière le banc aussi. Oui, le gars derrière le banc aussi. Félix Potvin. C'est sûr. Puis moi, je me rappelle des cantonniers où parfois l'entraîneur les baillait puis ça criait après l'arbitre. On n'a jamais vu ça de non, Félix. De Félix. Pas comme ça. Dans le calme. Alors, les joueurs sont toujours à point. En tout cas, ils peuvent faire des erreurs. Il y en a quelques-uns qui font des erreurs. Mais la prochaine grosse étape, c'est Sudbury. Ouais. Ça, c'est Air Canada. Ouais. C'est All-Canadian. On a déjà gagné une. Je le sais. À Montréal. Ouais. Que là, c'est à Sudbury. Fait que, en tout cas, j'espère que... Mais juste de gagner le championnat provincial... C'est quelque chose. C'est quelque chose parce qu'on n'est pas les seuls. Là. Il y a plusieurs équipes, une douzaine d'équipes. Mais c'est vrai que certains soirs, les cantonniers pourraient battre le Canadien. Peut-être. Bien, il y a l'équipe en tous les cas. Moins de problématiques. Oui, c'est sûr. Hey, je t'ai vu hier à la télévision. On sait qu'il y a le journal. C'est oui. Un gros sujet, ça, en ce moment. Oui, oui. Ce qui arrive, c'est que, disons, je fais partie de la Vigie, là, comme plusieurs. On est une vingtaine qui sont sur la Vigie. Maurice Rancourt, Jacques Joubi, en tout cas. Puis plusieurs intervenants, des maires des municipalités, la mairesse... le maire, M. Marcoux de Mansonville, c'est que on rencontre le CIUS, mais c'est toujours des réponses oui, 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 mais finalement, dans le concret, il ne se produit rien. Alors, c'est un peu c'est ça. C'est très qui... Sherbrooke, puis on ne veut plus les régions. Bien, en tout cas. On a de la misère. Puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'un interlocuteur sur place. C'est qu'avant ça, on avait un directeur local. T'sais, même si on n'était pas toujours d'accord avec, on pouvait aller faire des représentations auprès de cette personne-là. Lui, il y avait vraiment le poudre. Mais c'est qu'actuellement, la personne qui est en charge a peut-être 8-10 hôpitaux. Alors, t'envoies une lettre, il dit, bien, écrivez-nous. Ben, t'envoies une lettre, mais ils mettent ça sur la pile. S'ils reçoivent, je sais pas, 20 courriels dans une journée, pas sûr que c'est parce que c'est marqué Magog dessus qui va, ça va être le premier qu'ils vont lire. Bien raison. Alors, à partir de ça, on n'a pas de réponse, puis ils nous promettent des choses, puis là, quand vient le temps d'en parler, c'est pas tout à fait ça qu'ils ont dit. Alors, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Hey, j'aime la phrase de Jean-Guy Gingras. Comme les Gaulois dans Astérix, oui. Nous allons résister car la direction du CIUS de l'Estrie manque totalement de respect envers la population de Magog. Il n'y a pas tout à fait tort. Non, il n'y a pas tout à fait tort. Puis la dernière réunion qu'on a eue avec le CIUS à la salle du bonheur ici à l'hôpital, il nous avait demandé d'être le plus, tous ceux qui font partie de la VJ Magog, d'être là. Alors on est allé et en arrivant, il nous demandait notre nom, mais on dit si on a des questions. Non, on a assez là, c'est rien qu'une demi-heure, on a assez de questions. Et dans leur réponse, ils prenaient assez de temps. Après deux, trois questions, il n'y avait plus de... Alors, ils voulaient même, s'ils les avaient écoutés, les infirmières auraient pas, les auxiliaires n'auraient pas parlé, Jean-Guy Gingras n'aurait pas parlé, mais je peux te dire que ceux qui connaissent Jean-Guy Gingras, quand ils montent dans le morceau, là, c'est vrai. Alors, il a dit, on va vous les donner par écrit, et on veut des réponses par écrit, et on n'en a pas eu encore depuis. Ça fait déjà presque trois semaines. On n'a pas de réponse encore. Ah, mais un c'est jour. Un peu, ouais, mais là, c'est un peu triste. Oui, c'est... je sais. Hey, passons à des bonnes nouvelles parce que tu en as. Ah, des bonnes nouvelles, bien, c'est ça. Là, notre rencontre qui à Mansonville, on était quand même 80. Hey, c'est bien, ça. Oh, oui, puis il y a eu des interventions de gens du milieu là, qui vivent là, puis qui disent, tu sais, par exemple, le médecin, il y a trois médecins, mais deux, c'est des personnes plus âgées qui vont prendre leur retraite, mais les trois ensemble font comme un médecin point deux. Fait que, mais que les deux autres soient à veille de partir, ils tombent. Alors, il y avait une infirmière qui était là. Quand elle est là, puis s'ils ont besoin au GMF, au centre ici à Magog, ils l'envoient là, ils cancellent tous les rendez-vous des madames ou des messieurs qui avaient des rendez-vous au CLSC Mansonville. C'est triste, c'est vraiment là, désagréable. Puis, quand ils nous parlent de proximité, puis qu'ils vont être plus près des gens, je pourrais dire que c'est faux. C'est pas le bon vieux temps. Non, c'est un choix de réponse, ça, c'est faux. Diplomate. Oui, c'est ça. Alors, on veut conserver nos acquis, c'est sûr.
Alors, je disais aussi dans le reflet, il y a plusieurs petits... tu sais, il y a le groupe La Roche qui veut s'en venir à Magog. Ah, oh, elle a été acquis par un groupe d'hommes d'affaires qui vont vraiment changer ça. La Fondation d'Aruche, bien, qui veulent, c'est sûr qu'ils veulent des étudiants. Todd Pouliot cherche des gens pour s'impliquer. Puis je pense qu'à Magog, on a quand même plusieurs personnes qui ont passé là et qui pourraient donner un coup de main. Puis ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler dans la Fondation à tous les jours, mais je pense que l'expérience de chacun pourrait vraiment aider à la Fondation de La Ruche, en tout cas. Moi, je pense que ce sera le fun de... Puis cette année, je leur donne un coup de main aussi dans le Super aux morts qui va avoir lieu le 25 mai. Alors, c'est si déjà... Réservez, vend deux pour monsieur, ouais, s'il vous plaît, grande maison. Ouais, deux petits homards pour monsieur, grande maison. Oui, c'est ça, il n'en mange pas. Ah! Fais des bonnes salades avec ça que tu les donnes. Ah oui, ben c'est ça, c'est ça. Hey, coup dur, ça, à principal, en début de semaine avec guacamole. C'est malheureux, l'incendie. Hein? Oui, c'est malheureux. Puis, tu sais, c'est triste parce que c'est quand même un restaurant qui marchait bien. Très bien, oui. Que ça allait bien. Alors, mais ça fait partie de la vie, ça. C'est... Puis, tu sais, c'est quand même pas une bâtisse neuve non plus. Non, c'est ça. Alors, c'est peut-être... Puis, tu sais, il n'y a pas personne. C'est une erreur, là. Probablement, ils prétendent que ce serait une sécheuse qui a fait défaut, là. Mais c'est sûr que quand tu pars, tu fermes la boutique, il faut que tu t'assures que tout est bien, bien à l'ordre et n'est pas de, c'est pas dangereux pour le feu, là, tu sais. En plein ça. Alors, surtout une sécheuse, c'est très délicat. Tu sais, il faut faire attention, puis... alors, mais en tout cas, c'est ça la vie, hein? Puis on leur souhaite la meilleure des chances, puis j'espère qu'ils vont se relever, là. Puis ça permettra peut-être, là, de faire un renouveau qui va faire que les gens vont avoir la curiosité d'y aller. On va certainement les revoir, c'est les jeunes filles qui avaient ça, parce que c'est très bon, oh, d'ailleurs, guacamole. En terminant, bon séjour en Mauricie. Ah bien, merci. Et passe comme Jacques Demers par le Cap de la Madeleine, la Sainte-Vierge, fait brûler le lampion, va-t'en l'aréna. Après, t'es juste à côté en passant. Donc, c'est ça. Bonne chance au cantonnier, d'ailleurs. Bien, merci. Merci, mon chéri. Merci. On avait le barbier de sa ville à venir, la coiffeuse de sa ville, la sénatrice Sylvie, dans un moment. De retour sur le plateau, vous avez manqué quelque chose, vous allez voir ça sur les Facebook, parce qu'ils se sont bidonnés à cause de elle, Sylvie Boulet. Bonjour. Bonjour, Pélo, ça va? Oui, John Lennon est apparu quelques instants avec des cheveux. Il faut vraiment que je me concentre, parce que tu nous as fait bien rire. Oui, mais j'aurais aimé plutôt voir Marco, qui n'a pas de cheveux. Ah, mais la prochaine fois, je lui installerai la chose. Surtout, j'avais la casquette de Masco, symbolique d'ailleurs. En tout cas. Comment va-t-elle? Ça va très bien, vraiment. On parle aujourd'hui de boulangerie de ses vraies richesses, hein? Non, c'est pas vrai, non, tout de suite. Non, c'est pas ça du tout. Des 10 tendances coiffure printemps, t'es voulu la mélanger un peu. Ben non, mais il y a quand même plusieurs tendances. Moi, j'en ai sélectionné 10 tendances pour notre saison printemps-été qui est arrivée. Ça paraît pas, mais ça, c'est une question de temps. Ben, mais puis, pas la journée qu'on enregistre. C'est sûr que là, nous, commence à se parler en salon. Et on commence à s'inscrire à des ateliers, des conférences, des congrès coiffure partout au Québec. En fait, partout dans la francophonie, là, partout dans le monde, ils sortent des dates et tout ça. Donc, je suis allée chercher cette semaine le pouls de ce qui s'en venait, mais de quoi on parlerait sur les plateaux. Alors, je vous ai sorti quelques points. Pélo avec ses cheveux longs, oui. Oui. Mathieu, tu serais surpris, on pourrait partir une mode. Sais-tu quoi, les tendances printemps-été 2018, ce qui s'en vient? Non. Ce sont des reflets naturels et des coiffures simples. Okay. Des coiffures toutes faciles à réaliser, des coupes de cheveux simples aussi. Okay. On va commencer avec le premier. Cheveux courts, pas du tout. Cheveux longs. Non, c'est pas ça, oui. Cheveux longs, les années 70 reviennent. Ouais. Les cheveux longs de DS, les grandes, tu as dû connaître des actrices là, dans le temps. Tu sais, les cheveux longs, là, à la... je cherche le nom, là, j'ai un blanc, mais c'est pas grave. Les cheveux longs, longs bruns, lissants, brillants. Donc, cette année, on y va avec les cheveux longs. Si, par contre, et là, c'est il y en là avait qu'on... une ici à Magog dans ces années 70-80, puis elle nous écoute, Chantal Laprise, elle avait ça en bas des fesses. Ah, bien, c'est ça. C'était de toute beauté. Brillant, tout beau, tout simple. Très belle femme, de très beaux grands cheveux. Alors, Chantal, je suis en bas des fesses. On a les cheveux plus courts, moyennement courts, mais on les voudrait comme dans les années 70. C'est ça. C'est là qu'on a bien ri tantôt. Oui, je vois. Mais ce sont la G-Wig. Ce sont des extensions G-Wig naturelles. Donc, si jamais on trouve que nos cheveux ne sont pas assez longs, c'est possible avec G-Wig de mettre l'extension. Soit dit en passant, c'est une compagnie québécoise. Gaël Betts a inventé, le fondateur de l'entreprise. Ici, je pourrais peut-être vous montrer l'image. Donc, on peut simplement coiffer ses cheveux droits.
on va installer. Et ça fait plus long. Et ça fait plus long. On peut l'avoir très, très longue. Celle-là, c'est une 16-18 pouces. Puis on a des côtés ici latérales qu'on peut mettre sur les côtés. Et puis, le tour est joué. Alors, c'est un très beau produit. Je le vends en salon. Dans les points de vente, on peut les acheter. Moi, je vous suggère fortement d'aller vers les points de vente parce que on peut avoir de meilleures idées, de bons conseils, parce que c'est quand même un investissement. Donc, important d'aller en salon de coiffure, sur les points de vente. On va voir sur le site, là, puis à la fin, je vous donnerai les informations. Maintenant, les cheveux courts, style Pixie. Pixie, c'est court, féminin. Les femmes aiment les cheveux courts et cette année, on va en avoir encore beaucoup. Le look Pixie, c'est un style plutôt arrondi, la frange qui est plutôt longue. On peut la mettre derrière l'oreille. C'est une coupe à la garçonne, mais un allure un petit peu plus structuré, si tu veux. qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est que j'ai un blanc. La queue de cheval négligée, non? Okay. Non, mais c'est parce que le cheveu court, là, c'est très féminin. Des fois, on hésite, on se dit, oh, j'ai toujours les cheveux courts. Cheveux courts. Mais la seule chose, il faut l'entretenir 4 à 6 semaines. Parce que si on veut garder sa texture, son style. 4 à 6 semaines? Idéalement. Parce que si on prend l'initiative de se faire couper les cheveux courts, on y va 4 à 6 semaines. À moins que nos cheveux ne poussent pas rapidement. Okay. Mais si on veut la garder structurée, bon conseil. La queue de cheval, c'est ma coiffure aujourd'hui, puis j'ai même un petit ruban. La queue de cheval négligée, on ne la fait pas avec notre brosse, notre peigne pour qu'on soit collé sur la tête, mais plutôt avec nos doigts. Donc, on va aller ramasser nos cheveux, on met un élastique, on peut terminer ici avec un petit ruban comme j'ai... je l'ai ici. Et puis, ça donne une allure plus négligée, très appréciée pour les 5 à 7. Et puis même, pour une grande sortie, là, la queue de cheval, cette année, va être très tendance. Surtout pour le Far West, oui. Oui, c'est ça. Ben oui, si tu veux. Ben oui, les rodéos. Boucle naturelle. Avec les bottes de cowboy. Boucle naturelle. Oui, Mikaela. Ah. Mishka. Ah, oui. Les cheveux longs, frisés, naturels. Cette année, on va le porter. Alors, la femme qui me dit, j'ai les cheveux longs, frisés. Mais ça, on a tendance à être au fer plat, les cheveux droits, les cheveux lisses. Cette année, vous frisez, mesdames? Bien, profitez-en. Allez, ébouriffé, structuré, exactement. Mais je vais la mettre en image sur mon blog. C'est beau. C'est un beau modèle. Alors, je vais lui proposer tantôt de faire une petite photo avec nous. C'est en double, ça. Pourquoi? Un beau modèle puis un bon produit. Un bon produit. Écoute, j'ai découvert une fille incroyable tantôt. Parle-moi des nanates. Les nattes. C'est quoi les nattes? Ce sont des tresses. Ben oui. Des tresses à la petite fille. C'est beau, on peut les mettre avec ça, une petite casquette, un foulard l'été. Très portable. On peut la faire juste en une seule pièce et ébouriffer. Il faut la faire un peu négligée. C'est l'été, il fait chaud, les frisottis, l'humidité, la piscine, le golf, le tennis. Et voilà. Nos joueuses de tennis. Porte la tresse très Martina souvent. Martina Navratilova. Ouais, oui, c'est ça. Mais si vous allez dans Spot Illustrated, maillot de bain, vous appelez Eugénie Bouchard. Bon, continue. Eugénie Bouchard, oui. C'est ça. La coupe au carré, le lobe. C'est quoi le lobe? La petite coupe au carré classique qu'on portait plusieurs années. Le lobe, c'est un petit peu plus long. OK. Très carré, à la hauteur des épaules. Peut-être un peu de texture, mais vraiment, la coupe, le lobe, c'est vraiment ce qui arrive là. Cette année, on va encore le revoir. On le fait encore en salon de coiffure. Surtout au gala artiste. Oui, mais il y en a qui vont être là. Absolument. Et ça va se porter, c'est certain. Et puis, donc, on porte la longueur au-dessus de nos épaules, peut-être un peu plus court. Texture, c'est fun parce que cette coupe-là va à tout le monde. Toutes les formes de visage, puis aux textures de cheveux. Donc, vraiment chouette. Puis, si on frise naturel, ça donne un bel effet vagué. Dirait l'ami Roland Mayotte, Deux minutes, oui. La frange! La frange, cette saison, on la porte moins droite, courte. On va la porter plutôt longue, qui va toucher aux sourcils. Et puis, on va la porter en rideau. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça qu'on l'appelle sur plusieurs plateformes. On va la porter en rideau pour qu'elle s'assimile avec la coupe de cheveux. On attache nos cheveux en queue de cheval comme moi aujourd'hui, puis on peut laisser redescendre des mèches chaque côté du visage. Oh, c'est beau. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, si on est tanné, on la laisse pousser. Comme moi, j'en ai une, là. OK. Frange en rideau, mais aujourd'hui, je n'avais pas envie de la voir. Je comprends. Donc, c'est ça. L'effet mouillé, l'effet plage, ça, c'est toujours oui, veineux. C'est très beau, d'ailleurs. Ben oui. Puis, ça, en salon de coiffure, les spécialistes peuvent vous proposer des bons produits des eaux de mer, des eaux salines, en tout cas, pour donner des beaux effets de plage. Les couleurs à vitesse? Vite, les couleurs. Les blonds sous toutes ces formes. Donc, les blonds pastels, les blonds cuivrés vénitiens, les blonds polaires, les blonds blancs, là, comme un ours polaire, froid,
très tendance. Le blond champagne rosé, très tendance cette année, Pello. Il y a des coloristes qui se spécialisent dans ce genre de couleurs-là, comme aussi les pastels violets, roses, mauves, verts. Cuivré, marron, ouais, balayage, les cuivrés riches, les bruns, les marrons très glacés. On va voir beaucoup de couleurs, mais toujours garder en tête que ça se doit d'être 30 naturel. 30 secondes pour parler de tes accessoires. Oui, parce que j'en ai des accessoires ici. Et puis, cette saison, les accessoires très « in ». On décore, on termine, on signe notre coiffure. Ici, il y a des petits barrettes là, avec du cuir. On peut avoir aussi des petites fleurs qu'on peut regarder. On peut même mettre ça sur une barrette déjà existante avec un petit collant qu'on colle. Oui. On peut le coller sur c'est nos beau. Cheveux. Ben oui. Des élastiques, des rubans dentelles. Hey, très beau. En 20 secondes, parlons de ça. Es-tu belle, cet enfant-là? Eh bien, écoute, c'est un grand projet pour moi. Soirée au féminin avec Sylvie et ses invités. Ça va être de toute beauté. Un 5 à 7, une première de rodage. Avec mon coach Dominique Scott, on a travaillé une formule, conférence au féminin. Vendredi, le 27 avril. Oui, absolument. Et on peut aller sur ma page web, sur Facebook, on va retrouver les informations. Plein de belles femmes, personnalités, gens. Je commence par un beau projet, là. Puis après ça, on va se promener partout au Québec avec ça. Collaboratrice Josiane Noiseux de On va en savoir Faire-Valoir. Plus sur ta page Facebook. Tout va être là. Bien, merci, belle merci. Sylvie. Ça me fait plaisir. À une prochaine. Oui, absolument. Petite pause au retour. Une surprise sur le plateau. De retour sur le plateau, vous savez qu'on fait l'émission tous les mercredis, qui passe les week-ends en collaboration avec la boutique Vivre à fond, Yves Le Bolloc, et la fabrique de bagels café noir de nos amis Richard et Daniel. Et parlant d'eux, la boulangerie Les Vraies Richesses s'est distinguée dernièrement de Sherbrooke. Elle a été récompensée dans le cadre de la 5e édition du concours du meilleur artiste boulanger utilisant des produits certifiés biologiques. Donc, bravo! Et d'ailleurs, à la fabrique de bagels café noir, vous avez toutes les pâtisseries qui viennent justement de la boulangerie Les Vraies Richesses du centre-ville à Sherbrooke. Pour les adeptes du ski, ce qui est important de vous dire, il y a le globe de cristal quand on remporte un Grand Prix de la saison. On aura un globe de cristal la semaine prochaine sur ce plateau, mais pas nécessairement pour le ski, mais notamment un de nos amis, M. Albert Brand, qu'on a déjà eu sur le plateau dernièrement avec Isabelle Chabot, s'est vu remettre ce globe de cristal. Et c'est pas n'importe pourquoi. 97 000 courtiers à travers le monde. Il est premier au Québec. Il est 19e à l'ensemble de la planète et il est 6e au Canada. C'est tout un as de la vente immobilière. Il va venir nous parler de ça, de ses 30 ans de carrière. C'est un beau reportage qu'il y avait au cours des derniers jours dans le reflet du lac de Magog. Donc, félicitations à notre ami M. Albert Brand qu'on aura sur ce plateau la semaine prochaine. Une autre grande artiste de ses nouilles et de ses sauces spaghettis, Natalia Menga, bonjour. Bonjour, Gilles. Mais elle fait beaucoup de choses en plus. Et spécialiste dans beaucoup de petits trucs et de quiz aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va faire un quiz, Gilles. Oui, et on va parler de quoi? Parce que j'ai pas eu mes questions. Je t'habitue maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'aromathérapie. Aromathérapie. Alors, c'est quelque chose que je t'avais caché. Oui. Parce que ça fait 18 ans que je suis aromathérapeute, certifiée, diplômée, tout le kit. Tu aurais dû me le dire en début de saison. Je t'aurais envoyé voir le Canadien. Il aurait été meilleur. Peut-être. Sûrement. Hein? C'est sûrement. Sûr. On les aurait préparés mentalement oui. avec des petites préparations olfactives. Je pensais que c'était des numéros comme les boules pour le bingo. Non, ça, en fait, c'est mon petit coffret d'huile essentielle. Magique, d'ailleurs. Que j'utilise quand je donne des formations. Alors, justement... 76 capsules. Il y en a 100. Oh! Il y en a 100. Alors, quand je donne mes formations, on voit un peu plus de 100 huiles essentielles. Et justement, le petit quiz d'aujourd'hui... est fait pour voir si vous avez besoin de ma formation ou pas en aromathérapie. Bon, moi, y va. J'écoute. Alors, il faudra répondre par oui ou par non okay. en 1 à 2 secondes. Et si vous avez plus de 5 mauvaises réponses... Vous êtes dû à un cours. Vous êtes dû pour un cours d'aromathérapie parce que les huiles essentielles aujourd'hui sont très populaires. De plus en plus de gens les utilisent. Elles sont en vente libre dans les magasins. Mais ce sont des concentrés hyperactifs qui ont aussi des dangers, des précautions d'emploi qu'on doit connaître. Allons-y. Allons-y. Alors, Gilles, dis-moi un peu, et vous aussi, les spectateurs, dites-nous, si la lavande et le lavandin, qui sont deux lavandes qui viennent du sud de la France, sont des lavandes identiques. Non.
Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Un feeling. Un feeling. Alors, il y en a une, la lavande vraie, c'est une lavande, en fait, qu'on peut trouver sauvage, qui pousse à minimum 600 mètres d'altitude, si pas 800. Et le lavandin, en fait, c'est un hybride. C'est l'homme qui a hybridé différentes lavandes. Et c'est une lavande, en fait, qui est plutôt dynamisante, alors que la lavande vraie, c'est une lavande qui est relaxante. Donc, bonne réponse. Et oui. Et dans mes formations, on voit aussi, par exemple, ici, j'ai plus ou moins 7 ou 8 sortes de lavandes différentes. Donc, c'est une voie intéressante à, c'est pas évident, ça. À investiguer. 7 ou 8 différents? Oui, ben, il faut les connaître. Ben, parce qu'il y en a qui sont toxiques. OK. Donc, voilà. Alors, ensuite, est-ce que je donne de l'eucalyptus globulus pour traiter le rhume de mon enfant? Eucalyptus, oui, mais pas globulus. T'es vraiment bon, Gilles. Alors, tu m'impressionnes. Et tu sais que tous les soirs, avant le souper, je regarde le tricheur. Et j'aime ça, aller faire le tricheur, parce que j'ai les bonnes réponses. Et il y a des questions sur les huiles essentielles. Et voilà. Bon. Eh bien, l'eucalyptus globulus pour les enfants contient des molécules qu'on appelle des cétones, qui sont neurotoxiques. Et les petits-enfants en dessous de 6 ans, et moi je dirais même jusqu'à 8-9 ans, sont hypersensibles à ces molécules au niveau neurologique. Donc on peut les intoxiquer en utilisant de l'eucalyptus globulus. On va préférer de l'eucalyptus radiata. Et voilà. Voilà. Et tu sais qu'avant, le souper et le tricheur, je prends l'apéro et je regarde mon ami Patrice Lécuyer. Et les questions également de quiz. On y va. Il parle des huiles essentielles des fois aussi, Patrice. Ah, bon. Alors, question 3. Question 3. Je suis enceinte. Toi. Moi. Et j'utilise de la menthe poivrée pour mes nausées. Oui ou non? Oui. Non. Ah bon. Ben, qu'est-ce que je te dis? Et non, parce que... C'est pas un dossier que je connais trop. Mais tu vas connaître maintenant. OK, maintenant oui. Eh bien, la menthe poivrée, c'est une huile essentielle qui est abortive. OK. Donc, on conseille de ne pas l'utiliser en cas de grossesse. Pour les nausées, on va plutôt prendre du zeste de citron. Ah, bon. Soit à sentir ou même à mettre une petite trace sur la langue, voire l'huile essentielle de gingembre. Mais pas de menthe poivrée, donc, puisqu'elle est du abortive. Du zeste de citron. Et voilà. C'est pas voilà. Bête, ça. Eh oui. Quatrième. Alors, je mets des huiles essentielles directement dans l'eau de mon bain. Pour relaxer, par exemple. Oui, ça m'arrive. Ça t'arrive? Oui. Directement dans l'eau du bain? Non, en mélangeant. Ah, avec quoi? Aucune idée. Les huiles essentielles ne sont pas... C'est une bouteille spécialisée pour ça. Oui, ben oui, mais les huiles essentielles ne sont pas miscibles à l'eau. Comme... Non, pas la petite bouteille, là, comme ça. Comme n'importe quelle huile, d'ailleurs. Non, je sais. Donc, on va mettre un support, un émulsifiant pour la mélanger et la rendre miscible à l'eau. Donc, à la maison, on prendra bêtement ou simplement un peu de shampoing dans le bouchon. On va mettre au moins une trentaine de gouttes d'huile essentielle. On va mélanger dans le shampoing et ensuite, on va l'incorporer au bain. Mais j'en avais acheté lavande ici, bleu lavande, des produits spécialisés. De chez nous. Et voilà, et oui, qui a huile essentielle et qui est écrit sur la bouteille. Et tu mets ça dans le bain, puis ça fait très bien relaxant. Voilà. Voilà. Mais pas la petite bouteille comme ça, là. Non. Prête à l'emploi. Voilà. Bon, mais c'est 3-1. On n'est pas Canadien, on est correct. On continue. Alors, en cas de douleur intense, là, imagine que tu te fais très mal ou qu'il t'arrive n'importe quoi et que tu ressens énormément de douleur à l'intérieur de toi. Est-ce que tu pourrais utiliser des huiles essentielles pour soulager ta douleur en diffusion? Ah, je ne sais pas en diffusion, mais je sais que pour un mal de tête, on en applique ici et ça enlève le mal de tête. C'est vrai, ça? Ça dépend d'où vient ton mal de tête. Oh, ben les choses. Mais dans le cas ici de la douleur extrême, il y a une étude scientifique qui prouve que la diffusion de Ylang Ylang dans l'atmosphère va faire diminuer la douleur, la perception de la douleur au niveau du cerveau de 30 %. C'est qui, ça, Ylang Ylang? C'est une petite fleur blanche de Madagascar. OK, parfait. Bon, on n'est pas au Mexique, on est correct. Trump ne barra pas ça. Non. OK, phew. Madagascar, c'est correct. Alors, je mets abondamment des huiles essentielles dans mes plats cuisinés pour leur donner un goût ou une saveur. Ah, ça, je ne savais pas. Non, je ne pense pas, je ne fais pas ça, moi. Puis je ne ferai pas ça non plus. C'est bien. Alors, premièrement, c'est toujours mieux d'utiliser, évidemment, des herbes aromatiques fraîches. Du basilic, de l'origan, de la coriandre fraîche, c'est fait pour ça. Deuxièmement, on va préférer utiliser des hydrolats
Donc, c'est l'eau qui a servi à la distillation d'huile essentielle pour mettre dans les plats. Et troisièmement, si jamais on veut vraiment mettre un petit peu de gingembre dans un plat asiatique qu'on aurait cuisiné, on va utiliser une goutte pour toute une casserole. Donc, on la diluer avant dans de l'huile végétale. Et à la fin de la cuisson, quand on a retiré le chaudron du feu, à ce moment-là, on va mettre l'huile végétale avec une goutte ou deux gouttes d'huile essentielle dans toute ma préparation. Mais on n'en met pas abondamment. On a terminé, c'est 5-1, donc pas besoin d'atelier, mais je vais y aller quand même. Alors, pour terminer... Non, c'est fini. C'est fini. Ben oui, regarde, Driss. Ben oui. On va savoir plus, on va te suivre. Le lundi 23 avril, je donne une formation. Tous les détails sur ma page Facebook, lundi 3 avril et le 4 mai aussi. Formation sur les bases de l'aromathérapie. 23 avril. Et 4 mai. Et 4 mai. Le même cours deux fois. Et ensuite, il va y avoir un cours sur les soins intensifs, les urgences qu'on peut traiter avec les huiles essentielles, les huiles pour le système digestif, système nerveux, etc. Tout est sur ma page Facebook. Merci, belle Natalia. Avec plaisir. Au plaisir pour commencer un cours. J'aime ça. Et là-dessus, on vous dit bonne fin de semaine. Et à la semaine prochaine pour un autre On jase avec Pélo. TV, fier de faire rayonner notre communauté.